Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Côté Comics, l'émission 99% comics et 1% glamour. Au programme aujourd'hui, Thomas a lu pour nous des comics et des artistes, un très bel ouvrage. Jeff vous propose ensuite à tout sûr la série animée Batman des années 90. Mais avant ça, tout de suite maintenant, l'actu et les sorties comics avec Juju. C'est-à-dire moi. Allez, jingle et on se retrouve tout de suite. C'est donc parti pour une actu comics assez chargée. On commence par du cinéma pour vous rappeler que Thor The Dark World sort à la fin du mois, le 30 octobre précisément. Dans cette suite, nous retrouverons tous les personnages du premier opus, alors que le royaume d'Asgard devra se défendre face aux elfes noirs du royaume de Svartalfheim, menés par leur leader charismatique Malekith le Maudit. Alan Taylor réalise ce deuxième opus qui s'annonce encore plus épique que le premier. La Comic-Con de New York a eu lieu tout récemment et comme chaque année, de très nombreuses annonces ont été faites concernant les comics. On débute avec l'annonce d'un crossover entre les personnages de Conan le Barbare et Red Sonja. Dark Horse et Dynamite Entertainment vont donc travailler ensemble sur cette rencontre historique puisqu'il s'agira seulement du deuxième crossover entre ces personnages. Au scénario, on retrouvera Brian Wood et Gail Simon. Après The Walking Dead, le scénariste Robert Kirkman va lancer une nouvelle série d'horreur sous son label Skybound qui s'intitule Outcast. On y suivra le personnage de Kyle Barnes en proie à des possessions démoniaques et qui décide de se laisser tirer du côté obscur. Frank Azaketa sera au dessin et à la différence de The Walking Dead, une fin est déjà planifiée. Du côté DC, annonce d'une nouvelle série Batman qui sera cette fois hebdomadaire, à savoir Batman Eternal. Elle sera sous la direction de Scott Snyder, entourée de nombreux scénaristes et le dessinateur principal sera Jason Fabok. On y apprend aussi que cette série sera le théâtre du retour de Stephanie Brown, absente depuis le reboot. Ce personnage très aimé des lecteurs a porté les costumes de Spoiler, Robin et surtout Batgirl par le passé. Batman toujours, puisque l'équipe créative qui quitte Flash, Francis Manapul et Brian Buccellato, va passer sur la série Détective Comics au printemps 2014. Ils nous promettent un retour à l'aspect plus détective du personnage, plus proche de la rue. Mais avant ça, le numéro Détective Comics 27 fêtera la toute première apparition de Batman en 1939 avec un numéro spécial qui verra notamment le retour de Frank Miller. Autour de Marvel qui a fait le plus d'annonces avec surtout beaucoup de nouvelles séries. Alors je prends ma respiration et on y va. Nouvelle série solo pour Black Widow, le surfeur d'argent, Elektra, le Punisher et Iron Patriot. De nouvelles moutures pour les équipes des New Warriors et X-Factor qui devient All New X-Factor. Avengers Arena s'arrête et sera remplacé par Avengers Undercover. Les séries Fantastic Four et Captain Marvel vont être lancées au numéro 1. Johnny Blaze, alias Ghost Rider, rejoint les Thunderbolts, alors qu'un nouveau Ghost Rider plus jeune aura sa propre série. Un crossover entre All New X-Men et Guardians of the Galaxy. Le chef d'orchestre des Avengers, Jonathan Hickman, lance une nouvelle série Avengers World, qui découlera de l'Event Infinity. Et enfin, le retour de Miracle Man, anciennement Marvel Man, sous la plume du grand Neil Gaiman. Voilà. Alors, après la New York Comic Con, il y aura la Paris Comics Expo, dans notre belle capitale. La deuxième édition de cette convention dédiée à l'univers des comics aura lieu les 23 et 24 novembre prochains à l'espace Champré. Vous y retrouverez des invités de marque, avec notamment les dessinateurs Humberto Ramos, David Finch, Liber Medjo, Carlos Pacheco, Eddie Barroz, Frank Shaw, Joe Benitez et j'en passe, et des meilleurs, viendez faire un tour avec nous. Et on passe tout de suite aux sorties comics d'octobre. Allez hop! Des sorties 100% Thor, puisque Panini Comics met le paquet pour la sortie du film. Et on débute avec mon coup de cœur. Eh ben ouais, je fais ce que je veux. Il s'agit de la mini-série Thor The Mighty Avenger, qui revisite les premières aventures du dieu du tonnerre sur Terre. C'est écrit par Roger Langridge de manière assez humoristique, avec beaucoup de second degré, mais aussi beaucoup de poésie et de magie. La relation entre Thor et Jane Foster est une des meilleures que j'ai pu lire, et les dessins très cartoonis de Chris Samnee collent à la perfection à l'histoire. Du comic book rafraîchissant, comme on aimerait en voir plus souvent. Les origines toujours, mais cette fois de manière plus proche de l'histoire originelle, simplement un peu rajeunie, avec Thor Season 1 de Matthew Sturges et Pepe Larraz. Un titre intéressant si vous tenez à découvrir les origines de Thor sans avoir à lire les anciens numéros de l'époque. Si par contre vous souhaitez lire une saga avec un Thor plus âgé, qui se déroule à Asgard, vous avez Thor au nom d'Asgard. Un récit vraiment épique qui aborde toute la mythologie autour d'Asgard et nous montre le dieu du tonnerre sous un angle assez inédit, alors qu'il doit sauver son royaume en grande difficulté. Scénario de Robert Roddy illustré par les magnifiques dessins réalistes de Simon Bianchi. Un autre titre qui s'intéresse lui plus particulièrement à Loki et ses relations avec sa famille adoptive, du nom de Thor, Loki. Pas bien compliqué. C'est encore une fois écrit par Robert Roddy et dessiné par Ezan Ribic. Une très bonne lecture que l'on conseille donc aux fans du vilain frère de Thor.
du Thor un peu plus décalé qui affronte des dieux transformés en zombies, ça existe aussi. C'est signé Garfenis et Glenn Fabry et ça s'appelle Thor Vikings. Si vous voulez rester dans l'ambiance du film, voici deux mini-séries tirées de l'univers du film. La première adapte le premier opus, alors que la seconde est un prologue à Thor The Dark World. Tout ça dans le hors-série numéro 1 du magazine Avengers Universe, sorti le 15 octobre. Vous pourrez aussi redécouvrir d'anciennes histoires avec l'intégrale Thor de 1964 par Stan Lee et Jack Kirby, ou encore l'excellente relance du personnage en 2007 par J. Michael Straczynski et le français Olivier Coipel dans Thor Renaissance. Voilà de quoi être plus que prêt pour Thor The Dark World. Allez le voir, on en rediscutera, ça va être trop chouette. D'ici là, rendez-vous pour la prochaine émission et vous amusez pas avec votre marteau dans les prises électriques, ça marche pas, j'ai essayé. Bonjour, aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'un comics, mais je vais vous parler d'un livre qui parle des comics, et un livre qui donne envie de lire des comics. Il s'agit de « Des comics et des artistes ». C'est un livre qui va en fait à travers le portrait d'une cinquantaine d'artistes, créateurs de comics, donc dessinateurs, scénaristes, éditeurs, brosser toute l'histoire des comics en fait de leur création à nos jours. C'est quelque chose qui est vraiment très sympa parce que ça change des encyclopédies classiques qui vont être sur des personnages, on va apprendre pas mal de choses sur les personnages. Là, c'est vraiment sur la création et les créateurs. Chaque artiste va avoir plusieurs pages qui va lui être consacrées. Donc ça va être traité de manière chronologique dans des artistes les plus anciens ou plus récents. Ce qui va nous permettre à chaque fois d'apprendre un peu plus de choses sur les comics et sur les choses qu'ont apporté à chaque fois chacun de ces auteurs. Parce qu'il y a vraiment les plus grands auteurs de comics qui apparaissent dans le livre. Et on va à chaque fois voir qu'est-ce qu'ils ont apporté de nouveau, à la fois dans le dessin, dans le scénario ou de manière éditoriale. Il y a vraiment les plus grands noms. Il en manque peut-être l'un ou l'autre, mais la majorité des artistes importants sont référencés dans le livre. Le photographe Seth Kushner a vraiment fait un travail de composition sur chaque photo avec chaque artiste, ce qui est vraiment très sympa parce que en plus, on ne connaît pas forcément toujours la tête des artistes quand on lit les comics. Voilà, on connaît les noms à force, mais on ne sait pas forcément à quoi ils ressemblent. Et c'est sympa à l'occasion de voir une photo d'eux. Des comics et des artistes est édité chez Mutpop. On peut signaler que c'est un livre qui a été édité grâce au crowdfunding. C'est-à-dire qu'en fait, les internautes ont misé de l'argent dessus. Et grâce à ça, le livre a été édité. Ça nous permet d'avoir un super livre entre les mains. Super édition, tout est bon dans ce livre. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui tient à cœur à toute l'équipe parce que c'était notre premier véritable pas dans l'univers des comics, Batman, la série animée de 1992. Cette série est considérée par beaucoup comme étant le meilleur dessin animé Batman à ce jour, et pourtant, il y en a une flopée, et la Warner Bros. Va enfin sortir l'intégrale en DVD. Je vous présente tout ça, je vous file les pour et les contre, après, c'est à vous de voir si vous voulez acheter le coffret ou non. On va commencer par une petite présentation générale. La série est facilement reconnaissable grâce à quatre points majeurs. Le générique très sombre, qui est culte pour toute une génération, la musique de Danny Elfman, le design archi carré des personnages, et enfin Batman Bruce Wayne, qui est doublé pour la VF, à l'époque, par Richard Darbois, connu également pour avoir doublé Harrison Ford ou encore Buzz l'éclair. La série animée a été créée notamment par Bruce Timm et Paul Dini. Elle a été diffusée de 1992 à 1995 et se compose de 4 saisons pour un total de 85 épisodes de 22 minutes. La série est suivie par les 2 saisons des Nouvelles Aventures de Batman. Bon, Batman, la série animée, est juste culte. Elle n'a pas été nominée, n'a pas décroché je ne sais pas combien de récompenses pour rien. Je sais aussi qu'IGN l'avait qualifiée il y a quelques années de meilleure série de tous les temps, juste derrière les Simpsons. Le point fondamental qui la différencie des autres est pour moi le fait que la série animée peut plaire à tout le monde. C'est une série assez sombre, avec plusieurs axes de lecture et des scénarios très travaillés. Moi je sais que c'est un dessin animé que l'on regardait carrément en famille le dimanche matin à l'époque. Les séries animées qui peuvent prétendre en faire autant de nos jours sont quand même très rares. Genre même que des fois, on frôle carrément l'abrutissement cérébral.
Sac à dos, sac à dos. Ce qui renforce le caractère sérieux de cette série est également le traitement des super-vilains. Il y a des détails secondaires comme le pingouin qui porte un costume similaire à celui de Batman Returns et des éléments plus importants comme des modifications au niveau même de l'histoire du personnage. On peut penser au Roi du Temps, Gueule d'Argile ou encore à Mr. Freeze à qui on a donné une dimension beaucoup plus tragique avec l'histoire de sa femme. On peut penser aussi à Dent, à qui on a ajouté le fait qu'il avait déjà des problèmes dans sa petite tête avant de devenir Double Face. On notera aussi qu'il y a carrément eu des nouveaux super-vilains et surtout des nouveaux super-vilains appréciés. On peut penser à Double Tour Lockup, à Gardien d'Arkham qui s'amuse à tyranniser tous les malades et qui souhaite s'allier à Batman, à Baby Doll, une actrice qui est atteinte d'une maladie et qui a toujours l'apparence d'une fillette de 6 ou 7 ans, et bien sûr l'une des plus grosses créations de tous les animés confondus, Harley Quinn. Et oui, elle aussi, elle a été créée pour les séries télé à la base. On ne la présente plus, c'est la psychiatre puis la petite amie du Joker qui est victime d'un amour à sens unique, qui est complètement cinglée et qui fera absolument tout pour que son biquet soit heureux. Le personnage a énormément de fans et va d'ailleurs avoir sa nouvelle série de comics à elle. Bon, en gros, cette série est le genre de série qui n'a absolument rien à prouver. Presque aucun épisode n'est à jeter, certains sont même incontournables comme ceux sur Double Face, Gueule d'Argile. C'est vraiment une série incroyable pour petits et grands. Croyez-moi, vous ne perdrez vraiment pas votre temps. Passons à présent au côté négatif de la série. Outre le design carré des personnages qui ne sont pas mauvais mais qui nécessitent un petit temps d'adaptation, on va pas se mentir, le seul point négatif de ce coffret est au niveau du prix proposé par nos amis de la Warner Bros. 50 euros. C'est plus. 100 euros. C'est plus. Plus. 1000 euros. Non, là c'est moins là. 150 euros. Ah, c'est presque ça, mais le temps il est fini. C'était 149,99 €. Mais vous pourrez jouer une autre fois. Le coffret est à voir, je peux vous l'assurer, mais après, c'est à vous de voir si vous êtes prêt à mettre une somme pareille, quoi. Et voilà, c'est fini pour ce Tout Sûr et pour Côté Comics. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures avec plein de super-héros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de rejoindre notre page Facebook. On met la vidéo d'un chien qui fait du vélo, elle est trop bien. Salut tout le monde !